J'ai commencé le ski très jeune, à l'âge de 3-4 ans, avec l'école, parce que venant du Beaufortin, le ski alpin, le ski de fond, c'était les sports scolaires. Et puis après, j'ai suivi la trace de mon grand frère, Léo, qui est rentré au club des saisies. Et puis petit à petit, j'ai fait de la compétition, j'ai appris à aimer ça. Et puis j'ai appris à aimer le ski surtout. Le ski, c'est... Voilà, aujourd'hui, c'est une grande partie de ma vie. J'ai appris à vivre en équipe, j'ai appris beaucoup de choses sur mon corps, sur moi, sur mes limites. J'apprends à les repousser tous les jours. Encore aujourd'hui, j'apprends énormément de choses sur les pistes. Et c'est ce qui fait que malgré les résultats que j'ai déjà pu avoir, j'ai envie de continuer parce que je sens que je ne suis pas arrivée au bout de ce que j'ai à faire dans ce sport. Et voilà, c'est ce qui me guide aujourd'hui dans ma pratique du ski à haut niveau. À Sochi, sur le podium de la descente, quand j'ai gagné cette médaille d'or, que je l'avais enfin autour du cou, il y a eu un mélange de sentiments qui étaient tous très différents les uns des autres. Il y avait un immense bonheur d'avoir enfin réussi à atteindre cet objectif et en même temps une sorte de mélancolie de l'avoir atteint et qu'au final ce soit déjà terminé. C'était si court et c'était si intense, enfin, c'était indescriptible, c'était un moment que j'aimerais revivre. Cette saison, c'est une saison paralympique. Il y a 4 ans, on était en Russie. Dans quelques mois, on sera en Corée. Les objectifs, c'est difficile de les annoncer très clairement sans se mettre trop de pression. Il y en a un seul que j'arrive aujourd'hui à prononcer, c'est celui de n'avoir aucun regret le 18 mars, le jour de la cérémonie de clôture. J'ai envie de donner tout ce que j'ai à donner et surtout de ne rien avoir à regretter, donc, quel que soit le nombre de médailles que j'apporterai. Cette histoire, c'est pas seulement la mienne, c'est la nôtre, c'est celle de mon staff qui me suit tout au long de ma préparation, c'est celle de mes partenaires qui me suivent depuis plusieurs saisons, c'est celle de ma famille, de mes proches, et puis de vous, toutes ces personnes que je croise, qui m'encouragent, qui me laissent des messages sur mes réseaux sociaux. C'est pour tout ça que j'ai envie encore aussi de continuer, parce que j'ai envie de vous faire vibrer, et j'ai envie qu'on partage toutes ces belles émotions, et j'espère qu'on en créera encore des belles et des nouvelles tous ensemble tout au long de cette nouvelle saison.